tends ton cœur à la rencontre de Jésus. Nous voulons encore passer des moments d'intimité avec ce roi. Le roi de nos cœurs, le Seigneur de nos vies. Ah. Oh Amina. Oh Amina. Oh Amina. Toye na yo. Toye na yo. Toye na yo. Iso toye na yo. Toye bizambe mosusu te. Obele masia. Amina lele, Amina. Amina lele, Amina. Nzamba lola, Sembola loboko na yo. Na pokwa lelo, Sembola loboko. Amina tobele liyo, Sembola loboko na yo. Amina lele, Amina. Amina lele, Amina. Tu peux chanter avec moi ce refrain. Amina. 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 Oh, oh Amina. Oh Amina. Oh Amina. Oh Amina. Il est présent ce lieu. Amina lele. Il est présent ce lieu. Oh Amina eh. Amina, Amina, présence et lieu. Amina, lélé. Amina, lélé. Nous sommes là pour t'élever, Amina. Pour t'adorer. Pour te célébrer. Oh, Amina, lélé. Na umeli minge, na piscina Bethesda e, na e na yo e, na lingi na mona, loboko na yo e, Amina lele, le, Amina lele. Amina lele, nous t'accueillons à ce lieu, nous t'invitons à ce lieu, reçois l'honneur et la gloire, Amina lele, lokola mose, libosona ngama ya monana, simana ngama pinga ya faloe. Mayele sili moto e, na tomboli misoli kolo e, na taleli o yawe, nguya ya maye, Amina lele, mobali alibala, bolingo ya solo. Na kende ko wapie, na zongi na yo e, maboko na tombo lile lo e, na ngwende na yo e, kotombo la yo e, bolingo na nga e, Amina, Amina e, Amina, Amina ya e, Zambe ya koluka e, Esengo na nga e, Zambe ya losambo e,
Amangwe kokie Sembola loboko na yo Olingi tomona Yulin, me voici dans ta présence. Élève ta voix, dis un mot à ce Dieu. Dis Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour t'élever. Je suis là pour t'exalter. Te dire combien tu es bon. Te dire combien tu es merveilleux, Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix là où tu es. Dis merci à ce Dieu d'amour. C'est lui qui a renouvelé dans ta vie le bonheur. Il a dit le bonheur et la grâce vous accompagnera tous les jours de votre vie. Ah Jésus, Jésus, Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Si nous sommes là, c'est pour toi. Si nous sommes là, c'est pour toi. C'est pas pour les hommes, mais c'est pour toi, Seigneur. Nous sommes venus te lever, Jésus. Oh, Amina. Oh, Amina. Oh, Amina. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Nous voulons te dire combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Eza kombo ya mwana na nzambe Komba koyeba ya Yesu Komba koyeba Eza kombo ya mwana na nzambe Komba koyeba ya Yesu Komba koyeba Koyeba Eza kombo ya mwana na nzambe Komba koyemba ya Yesu komba koyemba komba koyemba Eza kombo ya mwana na nzambe Komba koyemba ya Yesu komba koluka komba koluka Eza kombo ya mwana na nzambe Komba koluka ya Yesu komba losambo komba losambo Eza kombo ya mwana na nzambe komba losambo ya Yesu komba koyemba Eza kombo ya mwana na nzambe komba koyemba ya Yesu Yesu komba losambo Eza kombo ya mwana na nzambe komba losambo ya Yesu komba baveye baveye Eza kombo ya mwana na nzambe komba baveye ya Yesu Yesu komba solution Eza kombo ya mwana na nzambe komba solution ya Yesu komba surprise Eza kombo ya mwana na nzambe komba surprise ya Yesu komba koganga Eza kombo ya mwana na nzambe Komba koganga ya Yesu Yesu komba losambo Eza kombo ya mwana na nzambe Komba losambo ya Yesu Yesu komba koluka Elève Jésus Eza kombo ya mwana na nzambe Komba koluka Nous sommes en train de célébrer son nom Yesu komba losambo Losambo Eza kombo ya mwana na nzambe Komba losambo ya Yesu
Yesu comme solution. Les akombo ya mwana na nzambe. Comme solution ya Yesu. Comme kobanga, kobanga. Les akombo ya mwana na nzambe. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus là où tu es. Élève le nom de Jésus. Tombola kombo na Yesu. Tombola komba koluka. Kombo yo bom selio ba surprise malamu. Komba komba solution. Komba lo sambo. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Élevons Jésus. Komba koluka za kombo na yo. Komba lo sambo za kombo na yo. Komba kokumba mela za kombo na yo. Komba kokumisa za kombo na yo. Ah komba ko ya ko sanjo za kombo na yo. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, Jésus. Nous voulons exprimer nos cœurs, Jésus, ce soir. C'est pour toi que nous sommes là. Oh, 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 combat le sang, ya Yesu. Oh, combat koyemba, koyemba. Ah, eza kombo ya mwana na nzambe. Combat koyemba, ya Yesu. Yesu kombo koluka, koluka. Eza kombo ya mwana na nzambe. Kombo koluka ya Yesu. Yesu kombo lo sambo. Eza kombo ya mwana na nzambe. Kombo lo sambo ya Yesu. Yesu kombo solution. Kombo solution. Eza kombo ya mwana na nzambe. Kombo solution ya Yesu. Élève le nom de Jésus. 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 Mabre sakaya boche. Imabro saya nerebosa. Mabro shikerebo sayaba. Yondorobo shikarabo sayabe. Nous te lèvons Jésus. Nous te lèvons Jésus. Qui est semblable à toi Jésus? Qui est comme toi Jésus? Reçois l'offrande de nos cœurs. Reçois l'offrande de nos vies. Nous voulons t'adorer. Ce soir nous sommes là pour toi. Ce soir nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi Jésus. Nous sommes là pour toi Jésus. Nous sommes là pour toi Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Du bosso a kiti na yonde toye komi bwaka. Atina kembo na yo. Toye kokumba mela yo. Nanya kotele mankolo. Bipa yo telemi. Yango to sopi mitema na biso. Liboso na yo Yesu. Shabro saya baba baba. Liboso ya kiti na yo. Toye komi bwaka tata. Pekati na kembo na yo. Toye kokumba mela yo. Nanya kotele mankolo. Payo telemi yawe, yango to kiti liboso, yango ya peke mbona yo, liboso ya kiti na yo, toye komi bwaka tata, pekati na kembo na yo, toye kogumba mela yo, nanya kotele makolo, payo telemi yawe, yango to kiti liboso. Yangu ya peke mbona yo yawe yawe ozali bolingo ya solo bolamu bwayo bo umela seko yawe onima bisolo lenge ozali toka bolamu santu bwayo yawe yawe ozali bolingo ya solo bolamu
voyo mela o Yahweh onima biso olenge tozali tokabola bosa chante encore oh Yahweh plus fort tozali olingo ya solo olamun bayo o mela sepo onima biso lolenge tozali ye tokabola bosani bayo onima biso lolenge tozali opona biso mosantu yango tokumba meli yo nzambe ya solo otikalola okiti na se okufelinga moto ya mabe tina nini te nagumbamela yo yango napusani pene na yo nasopi yanga motema liboso ya ngwende na yo nzambe ya solo yamba loyembo na nga yamba loyembo na nga adore ton roi élève l'agneau immolé celui qui garde ta vie celui qui garde ta vie il est présent en ce lieu il est présent en ce lieu reprends ton cœur devant ce Dieu d'amour il est bon mon Jésus il est bon mon Yaya comment ne pas t'adorer comment ne pas t'élever tu es tout pour moi tu es tout pour moi reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, Yahweh. Nania ko pesa kimia, na mitema, mitutani, okausa, abizoli. Na miso mikolela na niyako pesa kimia na mitema mitutani okausa babizoli na miso mikolela na niya pesa kimia na mitema mitutani okausa kabizoli na miso mikolela na niya zalo kolayo na niya posu Galo kolalo, biso ekomo, vani likolo, lekozato, ilamone, nani e, azalo, kolalo, nani akosu, galo kolalo, biso e, ekomami, liko. Kokota tola monene na yo kongo na yo kongo na yo zambe zambe seko na seko kongo na yo kongo na yo zambe zambe seko na seko papa Samote mananga kulanda yo e banokole mbate
Bonge la libo sonayo Posa monte mananga Abba, 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 Papa Abba, Abba, Abba Poluka yo kolu Ikaya bolaya ebroso wika Monako tikate Ikare mandolo sakare broso erigo Sinabo mo Eri kaya mandrola na ye kozo wega anako lembate ibra kaya mandro kolo mo wega tina bomo inamba rokobo sandere kaba aba aba abro korobo sandere bre kaya bosa aba iri kaya ba korobo sandere kabo sheke aba aba ikare mandoro bo sandere karabo sheke aba Rikayabo sakare bosheke. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant ton trône. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour te célébrer, t'adorer, t'exalter, car c'est toi le Dieu de mon salut. Entre tes saintes mains, Seigneur, je recommande encore ces instants. Je t'invoque, tendre Père, de venir opérer encore de grandes choses ce soir. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Béni sois-tu le maître de temps, des circonstances et des événements. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit élevé à jamais. Je déclare, Seigneur, aujourd'hui, que quelque chose de surnaturel arrive dans la vie de quelqu'un. Je te prie, tendre Père, que tu opères de choses extraordinaires dans des familles qui sont en train de nous suivre. Seigneur Dieu, ceux qui sont dans leur véhicule, ceux qui sont dans leur maison, ceux qui sont au bureau, Seigneur Dieu, laisse qu'une faveur extraordinaire soit répandue dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et ensemble, comme une seule personne, nous te donnons les offrandes d'acclamation et des cris de joie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Amen. Laisse que la grâce de Dieu et la faveur de l'Éternel nous soient multipliées. Laisse qu'aujourd'hui l'Éternel Dieu vienne dans la vie de quelqu'un et qu'il puisse faire du bien. Amen. Laisse qu'aujourd'hui le Seigneur Rapha descend et qu'il guérisse quelqu'un à qui la médecine a déclaré la maladie, elle est incurable. Laisse que l'Éternel Dieu vienne aujourd'hui comme le Dieu Tout-Puissant, celui qui a paru à Abraham, qu'il puisse délivrer quelqu'un dans la prise du malin. Et je prie l'Éternel aujourd'hui, il va ouvrir encore son beau trésor, le ciel, et il va nous donner la pluie et de l'arrière-saison. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un de se connecter, je suis en train de dire à quelqu'un d'inviter massivement, parce que l'Éternel va déployer sa grâce aujourd'hui. Nous allons encore monter en puissance et nous allons encore louer le Seigneur aujourd'hui comme pas possible. La Bible déclare que la louange brise le chêne. La louange brise le joug. C'est pourquoi d'entre jeux, je t'invite à prendre ta Bible. Gloire à l'Éternel. Nous sommes dans notre grand thème qu'on a intitulé « Lèvons-nous et bâtissons ». Mais aujourd'hui, j'ai apporté un sous-thème que j'ai intitulé « Les ennemis de la destinée ». Prenons nos Bibles dans les livres de Néhémie chapitre 2. Nous sommes au verset 18e. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible dit ceci. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur Ammonite, et Geshem l'Arabe, l'ayant appris, s'est moqué de nous. Et que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Prenons acte 16, 17 à 31. Je vais inviter Maman Nadine de pouvoir lire pour nous.
Actes chapitre 16, versets 17 à 31. Actes 16, 17 à 31, je lis. Gloire au Seigneur. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et ils sortirent à l'air même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de l'argan, se saisirent de Paul et de Silas et les entraînèrent sur la place publique devant le magistrat. Et le présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent de coutume qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et le prêteur ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. En recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers se réveillèrent et lorsqu'ils virent les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Parole dit Seigneur. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je dis aujourd'hui, j'aimerais parler sur les ennemis de la destinée. Nous sommes en train de parler pendant plusieurs semaines au sujet de « Lèvons-nous et bâtissons ». Et nous avons vu que Néhémie avait pris la résolution de retourner à Jérusalem pour venir rebâtir cette muraille qui était écroulée, ainsi que le porte qui était incendié. Comme je disais que, souvenez-vous très bien que Jérusalem avait 12 portes et c'est par là même que la ville de Paris est inspirée. Paris aussi a 12 portes. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Pendant que Néhémie a pris cette résolution, il est retourné à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Il y eut des personnages qui se sont levés. Il y eut Sambala et il y eut Tobija. Ce sont deux personnages qui se sont mis à l'opposition devant Néhémie pour empêcher le rétablissement de la muraille. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse, je le fermerai de suite. Vous savez, à chaque fois que tu prends de résolutions de pouvoir travailler pour Dieu, à chaque fois que tu prends de grandes décisions pour ta vie, de pouvoir chercher comment stabiliser ta vie, de marcher dans le droit chemin, sache-le très bien, il y a toujours des ennemis de la destinée qui vont s'élever. Il y a toujours de personnages mystiques qui vont s'élever pour pouvoir chercher comment déstabiliser ta vie.
comment chercher à empêcher que tu puisses accomplir le projet ou la vision auquel le Seigneur t'a donné. Regardez ces hommes. Cela veut dire pour eux, pendant que les autres prenaient l'initiative de pouvoir rebâtir le Mirail, mais eux, ils se disaient, le Mirail ne va pas se rebâtir. Et ils disaient que rien ne va se faire. Ils s'est mis à se moquer de ces gens-là. Ils s'est mis à critiquer ces gens-là. C'est pourquoi je suis venu te dire, lorsque tu verras des gens se soulever contre toi, à chaque fois que tu prends une résolution, n'essaye même pas t'attarder à pouvoir les suivre. Sache-le très bien que le jour où tu as pris la résolution, tu n'es pas seul. Mais il y a un maître qui marche avec toi. Mmh. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Lorsque tu fais la route avec Jésus, sache que Jésus t'accordera le succès. Regardez combien tu t'es dit, il faut maintenant que je rentre dans le chemin du Seigneur. Il faut maintenant que ma vie, je mette au sérieux. Regardez comment il y a des amis qui commencent à t'inviter. C'est samedi, des gens te proposent une fête. C'est vendredi, des gens te proposent une soirée. Pendant que toi, tu as pris la décision, sache-le très bien que ce sont les ennemis de la destinée. Ce sont des personnes qui veulent retarder ta bénédiction. Ce sont des personnes qui veulent retarder ta marche. C'est pourquoi, lève-toi et bâtis. Ne prends pas garde à ces gens-là, parce que ce sont de mauvaises personnes. Ce sont des personnes qui cherchent toujours ton malheur. Amen. Vous savez, lorsque les gens ont vu que Jésus-Christ est en train de faire de grandes choses, il voulait sauver un bon nombre de personnes. La Bible déclare, le scribe, le pharisien, le sacrificateur se sont soulevés contre Jésus pour l'arrêter la marche. Écoutez-moi, la Bible nous parle des deux grands ennemis dans la Bible. C'était Hérode et Pilate. Ils s'entendaient pas, mais à cause de la crucifixion de Jésus, les deux ennemis se sont ralliés. Les deux ennemis se sont bien entendus. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de te faire du mal. Regardez de tes amis. Il y a deux qui ne s'entendent pas. Mais à cause de pouvoir chercher à retarder ta marche, regardez, les deux ennemis se sont réconciliés parce qu'ils sont en train de chercher pour que tu ne sois pas béni. Mais je lève ma main droite et je déclare pendant ces moments de retraite que la main puissante de l'Éternel soit sur toi. Amen. Personne arrêtera ta marche. C'est que tu as pris comme résolution, je suis en train de dire à quelqu'un, tu arriveras au bon port. Et tu vas exécuter tout ce que tu as arrêté. Écoutez, la Bible dit dans les livres de Ésaïe chapitre 14 au 24e verset jusqu'au verset 27, la Bible dit ceci: oui, ce que j'ai résolu arrivera. Ce que j'ai décidé, ça s'accomplira. La Bible, le verset 27 nous dit ceci: l'Éternel a pris cette résolution. Qui la détournera? Sa main est étendue. Qui le changera? Je suis en train de te dire, ce que tu as pris comme résolution, sache-le très bien que cela s'accomplira. La décision que tu as prise s'accomplira. Regardez, tu as pris la décision de pouvoir servir Dieu. Mais il y a toujours des Sambala, il y a toujours des Tobija qui sont en train de te dire, non, il ne faut pas servir Dieu. Kokotano n'a pas bêtise, n'a pas monté. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne pries pas pour des gens. Lorsque tu pries pour toi et pour ta famille. Tu pries pour toi et garantir l'avenir de tes enfants et de tes petits-enfants. Que personne t'empêche le chemin du Seigneur. Que personne t'empêche la voie de Dieu. Parce que la Bible déclare, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Les sentiments passeront, les soirées passeront, les fêtes passeront, les habits passeront, la mode passera, l'argent passera, le business passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et n'oubliez pas, toutes les promesses que le Seigneur nous a faites, il n'y a aucune des promesses que Dieu ne manquera de les réaliser. La Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Parmi les promesses que Dieu t'a dit, il dit au son de la trompette, le mort ressusciteront premièrement, ainsi que nous les vivants, nous serons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cela veut dire, quand tu pries, ce n'est pas pour l'argent, tu pries pour le royaume, tu pries pour le ciel. Sache-le très bien, un jour viendra où tu monteras devant le Père. Un jour viendra où tu monteras devant le Seigneur pour participer à la noce de l'agneau. C'est là où nous porterons tous nos robes blanche, en train d'adorer et de louer celui qui était, qui est et qui vient. Est-ce que tu peux dire un amen? Amen. Mais suivez-moi très bien. La Bible nous parle un jour. Paul a voulu rentrer dans la ville de Philippine pour aller prêcher l'évangile. Mais pendant qu'il a pris cette résolution, le Saint-Esprit a empêché à Paul de pouvoir rentrer dans cette ville pour prêcher la bonne nouvelle. Maman Nadine, la Bible dit, allez partout.
Prêchez la bonne nouvelle de Jésus. Faites les gens mes disciples. Oui. Mais comment quelqu'un qui prend une résolution de pouvoir prêcher la parole et d'obéir à la loi de l'Éternel, au commandement de Jésus, mais le Saint-Esprit les a empêchés. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'autres personnes dans la vie, il ne faut pas leur faire du bien. Il faut écouter la voix de l'Esprit. Tu as raté. J'étais en train de dire ceci. Il y a de bons actes, il y a de bonnes actions que tu peux faire à d'autres personnes. Mais il y a certaines personnes, si le Saint-Esprit ne met pas à cœur, ne le fais pas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont à la base de la mort à cause de sentiments. La chose spirituelle n'a rien à voir avec le sentiment. Tu as raté. J'étais en train de dire ceci. Le sentiment, c'est dans l'âme. Mais ce que nous faisons comme travail, c'est dans l'esprit. L'esprit a des... Il ne marche pas de pair avec l'âme. Par moment, tu peux avoir un sentiment de pouvoir guérir quelqu'un. Mais attention, il faut écouter la voix de l'esprit. Ici, Paul veut faire un acte très bien odieux, un acte meilleur selon la recommandation du maître. Mais le Seigneur l'a empêché de pouvoir entrer dans cette ville. Écoutez, beaucoup de personnes sont mortes parce que quelqu'un lui a demandé de l'argent. Il a donné son argent de sueur, mais cet homme a pris cet argent et il a voulu le faire du mal. Combien de choses mauvaises t'est arrivées? Combien de blocages et de sécheresses qui t'arrivent aujourd'hui? C'est à cause d'un bonheur que toi tu veux faire à quelqu'un. Écoutez-moi, un jour un homme avait beaucoup de la nourriture. Cet homme-là, David, avait faim. Et David a envoyé des gens pour aller demander à cet homme-là s'il pouvait les aider avec la nourriture. Cet homme a renvoyé ces gens-là pour leur dire, « Dis à David, je ne vais pas lui donner des choses. Je ne vais rien faire de bon pour cet homme-là. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque David a écouté ces choses, David est venu, il dit, « Aujourd'hui, je vais tuer cet homme. » Mais sa femme, comme elle était sage, Abigaël, elle est venue à la contre de David avec la nourriture. Elle a supplié David. Il dit, David, prends du vin, prends de raisins secs, prends de la nourriture. Mais si la femme n'était pas là, David pouvait le tuer. Pourquoi? Parce que à chaque fois que l'Éternel Dieu a besoin d'opérer un miracle dans la vie de quelqu'un, il a toujours besoin d'une personne. Mais lorsque la personne ne répond pas présent, l'Éternel est capable de t'éliminer. L'Éternel est capable même de te dissoudre et de te soustraire à la surface de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons écouter la voix de l'Esprit. C'est pourquoi le jour où l'Ismaélite était dans la joie, il a ramené la couronne de Saoul, il a ramené l'épée de Saoul pour donner à David, pour dire à David, David, ton ennemi est mort, mais David lui a tué. Écoutez, les sentiments dans l'œuvre du Seigneur, ça tue. Les sentiments dans la vie, ça tue. Un ami, tu connais qu'il combat ta vie. Mais parce qu'elle a insisté, bon, Nazoka est là-bas, on a payé ça. Que je lui donne seulement cet habit. Mais il prend ton habit et il va aller chercher comment te projeter un mauvais sort. Comment te donner une maladie. C'est pourquoi je suis en train de prier l'Éternel qu'il t'enlève les sentiments. C'est les sentiments qui te détruisent. Mais Paul a écouté la voix de l'Esprit. Il n'est pas rentré. Alors, il a pris le chemin de la Macédoine. Lorsqu'il arrive dans la ville de Macédoine, il y avait une femme. Cette femme-là a vu Paul à la place publique. Et la femme a commencé à dire, écoutez cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Écoutez cet homme, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. C'est un envoyé du Seigneur. Les paroles qu'il est en train de prononcer sont vraies. Paul l'a écouté premier jour. Deuxième jour, Paul l'a écouté. Troisième jour, Paul a dit non. Cette femme, elle n'est pas normale. Il a fait appel à l'esprit de discernement. C'est ce qui manque beaucoup de chrétiens. Des chrétiens n'ont plus de discernement. Tout le monde qui vient au nom de Jésus ne pense pas qu'il est de Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, ce n'est pas tout ce qui m'appelle Seigneur, Seigneur qui m'aime. Écoutez-moi. Paul a discerné que l'esprit qui est dans cette femme, c'est un esprit de serpent, c'est un esprit de python. Comment il a su, frère de Paul? Parce que Paul est rentré dans le jardin. Il a compris que la personne qui a séduit Ève, il n'était pas le chacal. La personne qui a séduit Ève, il n'était pas le lion. La personne qui a séduit Ève n'était pas un panthère. Mais il était qui? Un serpent. Il y a des gens, ils ont la séduction dans leur bouche.
Il y a des gens, ils t'élèvent devant les gens, mais derrière le dos, ils te crucifient. Mm-hmm. J'appelle au Saint-Esprit mm-hmm. qui t'accorde l'esprit de discernement mm-hmm. pour avoir le discernement des esprits. Amen. Lorsque Paul a écouté ces choses, il a dit, esprit de Python, sors de cette femme. Mmh. Et la Bible dit, les gens qui envoyaient cette femme ont dit, cet homme a voulu gâcher notre business. Mmh. Ils ont tout fait. Ils sont allés dire aux magistrats qu'il y a des gens qui sont venus. Mmh. Ils parlent de choses qui n'est pas de notre coutume. Mmh. Ils ont apporté d'abord le mensonge. Mmh. Et l'esprit de mensonge, la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Écoutez, autour de toi, il y a beaucoup de gens qui viennent avec de mauvaises langues. Mmh. Autour de toi, il y a beaucoup de menteurs et de flatteurs. Mais la Bible à moi me dit que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Paul est resté debout devant ces gens-là. Mmh. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Paul et Silas, ils les ont placés dans la prison. Pourquoi? Parce que c'était des ennemis de la destinée. Mm-hmm. Ils ont empêché à Paul et à Silas de pouvoir propager la bonne nouvelle, mm-hmm. de pouvoir arriver à concrétiser la parole du maître. Mm-hmm. Donc ils étaient là comme des Tobija, comme des Sambala, mm-hmm. pour empêcher à Paul de pouvoir continuer dans le ministère. Il a pris Paul mm-hmm. et il l'a placé dans la prison. Ils ont pris Silas et ils ont placé dans la prison. Mm-hmm. Mais laissez-moi te dire, la Bible dit, il te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça n'est pas fini. Il y a encore une parole que j'aime. Même si l'ennemi venait comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Il y a encore une parole que j'aime dans le livre d'Ésaïe. Si ils forment des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu les condamneras. Amen. Et toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ésaïe ajoute encore, aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Et aucune mauvaise chose arrivera dans ta tente. Amen. Et il rajoute encore, que 1000 tombent à tes côtés. Amen. Ça c'est psaume. Que 10 000 tombent à ta droite. Amen. Tu ne seras pas atteint. Amen. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Amen. Que tes ennemis s'élèvent. Que tes ennemis se multiplient. Sache que celui qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le camp de l'ennemi. Amen. Écoutez, un jour, Géasi était avec son maître Élisée dans la maison. Pendant que Géasi sort, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire, parce qu'il était aussi voleur à la fois. Peut-être il avait un deal, il a voulu s'esquiver pour sortir. En sortant, il remarque qu'ils étaient entourés. Combien de personnes ils sont entourées? Combien de personnes ont l'air à monter des guet-apens? Mais ils ne savaient pas. Lorsque Géasi a vu ces choses, il est rentré à la maison en train de crier et en train de se plaindre. Lui pensait que le prophète devait rentrer dans son jeu. Or, le prophète ne rentre pas dans le jeu. Le prophète, c'est quelqu'un qui ne panique pas. Amen. Écoutez-moi, nous sommes de la race de l'hippopotame. Donne-moi un amen, j'ai des choses à dire. Amen. On est de la race de l'hippopotame. La Bible dit, lorsque la mer se fâche, lorsque la vague s'élève, lorsque la tempête frappe, l'hippopotame ne bouge pas. Il reste serein. Il reste constant. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que l'eau qui est montée s'agite, finira par la terre. Amen. Cela veut dire, quel que soit le problème, il y a toujours une solution. Amen. Les ennemis de la destinée, ils ont pris Pierre, Paul et Silas, ils les ont placés dans la prison. Mais pendant qu'ils étaient dans la prison, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose qui est en train de me faire du bien. Au lieu qu'ils se plaignent, au lieu qu'ils commencent à chercher des avocats, au lieu qu'ils commencent à expliquer à tout le monde, comme bon nombre de chrétiens, il y a quelque chose qui sort, il a envie de se justifier. Tu connais, hein? C'était même pas moi. Je ne connais même pas la sœur. Je ne connais pas même la fin. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole. Et sa parole leur a guéri. Lorsque tu traverses des moments de détresse, on n'explique à personne. C'est à l'Éternel qu'on explique. Laissez-moi dire à quelqu'un, je suis de la race de ceux qui ne pleurent pas.
L'Éternel m'a monté, m'a donné un moral d'acier. Moi, j'ai un front de guerrier, de combattant. Quelle que soit la taille de problème, moi, je ne me plains pas. Mes larmes, mes ennemis ne le verront jamais. Il y a une seule personne qui est habilitée à voir mes larmes. C'est mon Créateur. C'est lui qui est mon Dieu. La Bible dit, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme et ses bontés ne sont pas épuisées. Chaque matin, il le renoue. J'annonce à quelqu'un, c'est à l'Éternel que tu dois pleurer. C'est à l'Éternel. Maman Nadine, pour la première fois, Jésus-Christ de Nazareth, il a demandé l'appui des gens. Quand il a senti que le moment était dur à Gethsémane, il a dit à ses disciples, restez en prière. Parce qu'il a compris une chose. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Alors que lorsqu'il y a plusieurs bois, le feu brûlera continuellement. Christ a compris, le moment, il est crucial. Donc j'ai besoin que je bénéficie aussi de la prière des autres. Il demande la prière des autres et les autres ne donnent pas la prière. Ils étaient tous endormis jusqu'à ce que Jésus est rentré dans la dimension sanguine. Merci. Est-ce que tu as capté la dimension sanguine où la sueur se transforme en grimoire de sang. Merci. Alors que les gens attendaient qu'il y aurait un sang qui devait venir. Or, Jésus ne pouvait pas se plaindre de sang de la montagne de Golgotha parce que le véritable sang était déjà coulé à Gethsémane. En fait, Golgotha n'était qu'une rediffusion. Le live était à Gethsémane. J'annonce à quelqu'un, Likamwe banda na jardin et Souka na jardin. L'humanité a été détruite dans les jardins. C'est pourquoi les choses ne devaient pas finir à la montagne. Les choses devaient finir où? Au jardin de Gethsémané. C'est pourquoi quand il est ressuscité, Marie l'a vu, il a regardé. La Bible dit, Marie pensait que c'était un jardinier. Marie pensait qu'il était jardinier. Non, Marie, ne pensez pas. Il était réellement un jardinier. Merci. Parce qu'on l'appelle le second Adam. Le premier Adam est un jardinier. La Bible déclare quand Dieu lui a créé, il l'a placé dans les jardins, il lui a confié une mission. Garde et cultive les jardins. Qui cultive les jardins, on l'appelle qui? Jardinier. Alors Christ, il était qui? Le second Adam. Donc il devait être lui-même le jardinier. Or, c'est dans les jardins qu'il y a le bois. C'est pourquoi il ne devait pas être pendu sur un ferraille. Merci. Est-ce que je peux continuer ou pas? Non, continue. C'est important. Il ne devait pas mourir sur un ferraille. Merci. Il devait mourir sur un bois. Parce qu'on devait ramener toujours étant qu'un jardinier. Mais écoutez-moi, je vais aller chuter ici. Quand ces gens se retrouvent dans la prison, la Bible dit, Paul et Silas étaient en train de prier et de louer l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, la louange brise les jougs. Comme bientôt là, on va louer. Mais il y a une chose qui est arrivée. Demandez-moi lesquelles, maman Nadine. Lesquelles? Pendant qu'elle louait l'Éternel, la Bible dit les prisonniers les attendaient. Qui a capté? Amen. Et ils étaient qui? Des prisonniers parce qu'ils se retrouvent dans la prison. Comment on dit encore les prisonniers les attendaient? Ça veut tout simplement dire qu'ils n'étaient pas des prisonniers. Je peux être dans la prison, mais je ne suis pas prisonnier. Merci. Je peux manquer le mariage, mais je ne suis pas célibataire. Merci. Je peux manquer des enfants, je ne suis pas stérile. Merci. Non, le problème, c'est toi qui es stérile. Amen. Moi, je suis en train de faire juste un escale. Yes. Bro, j'ai fait un escale dans la prison. Pourquoi? Parce qu'il devait aussi accomplir une mission. Je vais arriver. Écoutez, la Bible dit, pendant qu'il chantait, pendant qu'il priait, il y a un tremblement de terre. J'annonce à quelqu'un, dans ta vie, ce mois d'avril, il y aura un tremblement de terre. Amen. Ah, j'aime ça dans ma langue natale. La Bible dit, eningani. J'annonce à quelqu'un, ekoningana, mois oyo avril, ekoningana, année 2018, 19 plutôt. Il y a un tremblement de terre. Écoutez-moi, le tremblement de terre, ce n'est pas Paul et Silas qui l'ont vu. Ma bro, c'est que quand le tremblement de terre s'est fait, Paul et Silas étaient exemptés. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour où on est venu arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémane, écoutez ces gens-là, ils ont posé la question, c'est toi Jésus? Jésus a dit, oui, c'est moi Jésus.
La Bible dit ils tombèrent. Mm. Cela veut dire quoi? Les tremblements de terre s'est fait, mm-hmm. mais pas du côté de Jésus. Oui. C'était seulement du côté des détracteurs. Mm. Je suis en train de te dire, on sera dans les mêmes immeubles. Mm. Mais lorsqu'il y aura tremblement, ça tremblera chez toi, c'est moi, ça tremblera pas. Mm. Parce que je suis le fils de la destinée. Amen. Et après les tremblements de terre, il y a une deuxième chose. Demandez-moi de quel frère de Paul. Okay. La Bible dit, les fondements des prisons s'ébranlèrent. Mm. Mm. Vous savez, la plupart des combats, tu sais pourquoi ça ne finit pas? Mm. Parce qu'on commence dans le tronc. Mm. On commence dans la tête. Mm. Or, on oublie le fondement. Mm. On oublie la racine. Amen. Mais à ce moment-là, l'Éternel a compris. Mm. On finira ces choses. Il faut que le fondement soit touché. Mm. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe ce que tes ancêtres ont fait, peu importe ce que ton arrière-grand-père a fait, j'annonce le tremblement des terres et le fondement seront ébranlés. L'autel de ton grand-père sera renversé. Mm. L'autel de sorcier de ta famille sera renversé. Amen. C'est l'autel de Jésus qui sera bâti. Amen, amen, amen. Et après cela, il y a encore troisième chose. Demandez-moi lesquelles. Okay. La Bible dit les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Mm. Les portes de la prison s'ouvrirent d'elles-mêmes. Mm. Je lève ma main droite. En qualité de sacrificateur de l'Éternel, j'annonce là où on avait mis tes enfants, là où on avait mis ton argent, là où on avait mis ton succès, les portes de la prison s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Les portes de la prison vont s'ouvrir. Je suis en train de voir ton bonheur va sortir. Je vois la paix va sortir. Je vois la santé va sortir. On t'a injecté des maladies mystiques. On t'a injecté des maladies qui n'ont ni tête ni queue. Mais je suis en train de te dire, quand les portes de prison s'ouvrent, tous les prisonniers sont obligés d'être dehors. Amen. Et je suis en train de te voir dehors. Or, dehors, c'est là où existent toutes choses. Dans la prison, c'est là où tu es enfermé. Dans la prison, il n'y a pas de supermarché. Dans la prison, il n'y a pas de salle de fête. Dans la prison, il n'y a pas là où on vend des véhicules. Mais tout se passe dehors. Mais toi, on t'a emprisonné pour que tu ne bénéficies pas de la grâce. Mais j'annonce, tu bénéficieras de la grâce. Amen. Ça n'est pas fini. Il y a encore une dernière chose. La Bible dit ceci. Les chaînes qu'on les avait mises tombèrent. Mm. Je vois le chêne tomber dans ta vie. Mm. J'annonce à quelqu'un, je vois le chêne tomber dans ta vie. Mm. Je vois le chêne de la malédiction tomber. Amen. Je vois le chêne de blocage tomber. Amen. Je vois le chêne de la sorcellerie tomber. Amen. Je vois le chêne de la masturbation tomber. Amen. Je vois le chêne de Marie, femme de nuit, tomber. Je vois le chêne de la mort tomber. Amen. Et quand ces chaînes tombent, il y a des choses qui vont se faire. Mm, mm. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, les geôliers, cela veut dire les gardiens des prisons, il a crié. Maman Nadine, Banaz à la gardienne. Il n'a jamais vu quelque chose de pareil. Amen. Il est tombé à ses côtes et il a demandé l'épée pour se tuer. Écoutez, tes ennemis eux-mêmes vont aller avant toi. Tu as raté. Ceux qui veulent ta mort, ils te précéderont. Pourquoi? Toi, tu es dans l'alliance de Job. Job a dit, c'est dans la vieillesse que j'irai au sépulcre. Est-ce que tu peux élever tes deux mains et acclamer le roi de gloire? Et maintenant, nous voulons louer l'Éternel, que les chaînes tombent. Quand nous allons louer Jésus, quand nous allons danser pour Jésus, bien-aimé, je te donne l'onction de fou. Danse comme un fou, chante comme une folle dans ta maison. Que les gens se disent, qu'est-ce qui t'arrive? Mais pendant ce temps, pendant que tu vas louer, tu verras des choses qui vont se faire cette nuit. Pendant que tu vas louer, tu verras comment l'Éternel est bon et comment l'Éternel est merveilleux. Car la Bible dit, tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Mina lele, amina lele. Yale lele, mina lele, amina lele. Amina lele, amina lele. Amina lele, amina lele. Oh amina lele, amina lele. Amina lele, amina lele. Amina lele, amina lele. Amina lele, amina lele. Amina lele. Amina lele, amina lele, amina lele, amina.
Commence à lui donner ce nom le plus glorieux. Commence à l'élever.
Commence à proclamer sa seigneurie. Prions l'éternel, alléluia. Et carababo seke. Commence à glorifier le nom de Dieu. Et carababa. Louons l'éternel. Carabababa. Eri kabo shetele. Eri kababo shetele. Yango eko kie. Eri kababo. Tango bonga ngaye. Yango eko kie. Donnez-moi piano. Tango bonga ngaye. Yango eko kie. La 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 la. Tango miracle. Yango eko kie. Moto pela. Semola lobo kolombo konzi. Semola lobo kolombo. Semola lobo kolombo konzi. Semola lobo kolombo. Kona bateke. Waka soy na mabele. Salamo poto poto e. Et dans la vie des gens, je suis en train de voir un grand tremblement de terre.
Je vois un tremblement de terre. Marébosé. Erika Yamandoro Boshe. Je vois un tremblement de terre. Je vois un tremblement de terre. Tout ce qui était à toi, tu le récupéreras. Kareboshe. Aïkarebo Sandere Krababa. Les portes vont s'ouvrir aujourd'hui dans ta vie. La porte de miracle est ouverte. La porte de mariage est là. Je vois cette porte s'ouvrir. Karebo Sheke. Karebo Sandare Brekayabosa. Que la grâce et la faveur rentrent dans les maisons maintenant. Que le Seigneur ouvre son beau trésor, le ciel. Et qu'il répand sa grâce sur toi. La maladie est en train de quitter ton corps. Je vois les célibats tomber. Karebosé. Ne vaut plus que ta présence, nous adorons. Oshama, aucun présent ne vaut plus que ta présence, nous adorons. Oshama, aucun présent ne vaut plus que ta présence. Et l'autre est comme la hante. Aucun malheur n'arrivera à ta tente. Shama, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, nous t'aimons, nous t'aimons. Pas de répondre, nous t'aimons. Soyez au nom de Jésus. Shama, la monnaie va clair en nous. Dieu, merci. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Il est écrit, le peuple qui était assis dans le ténèbre, tout à coup, il vit une lumière apparaître. Merci pour des apparitions de solutions multiples que tu as déployées dans chacune des personnes présentes
et même ceux qui regarderont cette vidéo après des heures et des jours, il gardera la même dimension d'onction. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis de famille. Je bénis, Seigneur Dieu, tes enfants qui ont répondu présent. Béni sois-tu au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et ensemble, comme une seule personne, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Poussons des cris de joie et des acclamations. Alléluia. Amen, 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 amen. 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 Merci, merci, merci infiniment à vous tous qui étiez avec nous ce soir. Bénir votre présence aussi, mais remercier Coco Bar pour le message. Amen. Et remercier aussi toute l'équipe, Pasteur Constant et notre frère Dépaul. Mais avant de nous séparer, nous allons quand même laisser un petit mot à Coco Bar. Et le frère Dépaul nous parlera de son programme de concert de ce week-end. Béni sois-tu, l'Éternel, Dieu de tout esprit et de toute chair. Nous sommes dans la joie d'être parmi vous. Et voilà comment nous avons adoré le Seigneur. Voilà comment on a transpiré pour l'Éternel. Nous remarquons qu'il y a des gens, ils vont dans des concerts, ils vont aller adorer les humains. Mais voilà comment nous, on a adoré celui qui vit à jamais et on a loué Dieu. Et nous croyons que le fondement des prisons sont renversés. Et Dieu est présent, il a accompli des grandes choses parmi nous. Croyez-y, l'Éternel a opéré des choses extraordinaires. Mais nous sommes en train d'inviter les gens. Vous allez remarquer que derrière moi, il y a cette affiche. Nous avons un grand séminaire la semaine prochaine qu'on a dénommé la semaine du Pâques. Bien-aimés dans le Seigneur, mercredi à 18h. Vendredi, ça serait, nous allons rentrer dans d'autres sphères parce que ça serait une nuit. Une nuit de transfiguration. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'invite. Ceux qui sont dans des provinces, soyez en dehors de la France, Belgique, Suisse, Allemagne, Italie, descendez. Mercredi, on va allumer le feu. Vendredi, ça serait une nuit incroyable, une nuit de transfiguration. Et le dimanche 21, nous allons clôturer. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas à ces grands rendez-vous divins. Vous allez voir combien la puissance de Dieu va se déployer. Et nous avons pour thème changement du calendrier. Maman Nadine, le calendrier va changer. Amen. Les sorciers avaient dit qu'au mois de décembre, nous allons le bouffer. Quand les calendriers vont changer, ça ne serait plus décembre de décembre. Je ne dépendrai plus du décembre là. Quand les calendriers changent, cela veut dire des options changent. Je t'invite, venez, nous sommes au 45 rue d'Élysée à Pantin. Et Pantin, c'est 95-300. C'est juste en sortant de la gare, vous allez remarquer, il y a l'hôtel Ibis. Vous prolongez l'hôtel Ibis jusqu'au feu, vous allez voir Fitness Park. C'est un spa, c'est là où on fait des gyms, une salle de sport. Venez et vous allez rentrer. Nous sommes au premier étage, porte 101. C'est-à-dire, dès que vous sortez de l'ascenseur, il y a la porte 101 en face de vous. C'est jaune noir. C'est écrit Power Management. Vous allez rentrer. La salle, c'est tout au fond. Je suis en train de vous inviter. Ne manquez pas dans ces 3 jours. Il y aura des surprises. La nuit, là, on travaillera aussi avec d'autres hommes de Dieu. Nous aurons aussi d'autres chantres de l'Éternel. Et nous serons vraiment bénis. Et Dieu va vraiment opérer des grandes choses. C'est pourquoi je t'invite. Mais déjà demain, mercredi, nous avons un grand culte. C'est un culte où nous venons, qu'on appelle culte des tocos. On ne vient pas habillé en bling bling. Chacun y ramène une panne
tu ramènes une natte, tu ramènes une couette, tu ramènes tout ce que tu peux ramener, que ça peut juste te permettre de dormir, de t'agenouiller. Cela veut dire que nous passons de moments incroyables. Le frère de Paul va nous amener dans l'adoration. Il n'y a pas de modérateur. Nous prions, nous implorons la grâce de Dieu et je libère les actions prophétiques et nous partons. C'est de 18h30 à 21h. Ne manquez pas. Et le dimanche, nous sommes là de 13h juste à 16h juste. Vraiment que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci. Frère de Paul. Voilà, donc je pense que l'apôtre a déjà donné le programme pour la semaine prochaine. Mais il y a le samedi, vous avez un concert live. Oui, oui, oui. Voilà. Programme d'adoration, c'est une journée, comme j'avais dit l'autre fois, une journée de vraiment de contemplation devant le trône béni de Dieu. Et il y aura des miracles. Dieu va opérer deux miracles. Les gens demandent Dieu le prix de billets, c'est gratuit ou c'est non, payant? Non, c'est, en fait, c'est une contribution. Et c'est 20 euros par pré-vente. Mais sur place, bon. On est en train de voir comment on peut s'organiser sur place. C'est normalement 25. Mais je crois que... Non, c'est 25 parce que l'album, elle est bien, papa. On négocie pas, c'est 25. Allez-y. L'heure vient, elle est déjà venue, où ça sera ni sur cette montagne. Mais les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Nous, et l'adresse? L'adresse, c'est... comme j'avais dit, 75. Voilà. Ouais, 75 rue de la Briche, 93 descend. Voilà, ouais, c'est ça. À Saint-Denis. Voilà, ouais. C'est vers la Briche. Donc, venez nombreux. Ensemble, nous mais allons. Mais les gens, c'est la journée ou c'est le. Non, non, non. C'est merci, l'apôtre, pour la précision. En fait, c'est à 20h. C'est à 20h. C'est à 20h parce qu'il y a des gens qui travaillent. Nous sommes dit non. On doit faire ça à 20h pour que tout le monde se participe. Donc voilà pourquoi nous avons mis... Donc 20h à l'aube ou 20h hier? Non, on va passer, je crois, 2h ou 3h dans sa présence. Des voilà. Ce sera l'éternel. Vraiment une journée. Donc il faut s'habiller vraiment, une soirée plutôt. Il faut s'habiller vraiment relax. Parce que ça sera vraiment... On va adorer, on va s'agenouiller. Voilà, s'agenouiller. On va vraiment donner gloire à l'Éternel. Prosterner devant le bien aimé, je vous invite, ne manquez pas. Donc, moi, j'y serai là, maman Nadine sera là. Et toi, on t'invite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, amen. En tout cas, on a commencé les 9 et maintenant on est les 10. Pour ceux qui ont fêté leur anniversaire, les 9, nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre sœur Christelle des Dieux. Que Dieu te bénisse abondamment et à notre sœur Dibanga au Sénégal qui nous a suivis aussi. Donc que Dieu les bénisse abondamment et pour ce soir, comme on a débordé, on est rentré les 10 et les 10 c'est l'anniversaire de Maestro Constant. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maestro, maestro. Joyeux anniversaire, Motama, Motama et l'amour, Motama et l'amour, Motama et l'amour, Maestro Constant, maestro, Motama et parabéns à vous, yes. Nestaltal plein de bonheur, pasteur Constant. Que Dieu te garde encore longtemps. Amen. Merci Oumela Pekomela. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Oumela Pekomela. Amen. Un bon anniversaire. Pasteur Constant, c'est mon amoureux. Hein? Maman, on est au bon maté. C'est mon époux, donc joyeux anniversaire à lui. Joyeux donc, anniversaire, maman. Plein de bonnes choses. Je sais que du bonheur. Donc, on est là et.
la suite continue. Donc, gloire à Dieu. Les gâteaux viendra. Merci. Que Dieu vous bénisse, vous tous. On ne va pas abuser de votre temps. Vous qui nous avez soutenus, de temps en temps, vous priez pour nous, pour la chaîne, pour cette émission également. Alléluia. Nous allons nous revoir mardi prochain. Hein. Gardez les rendez-vous de mardi prochain à partir de 22h. Nous sommes là sur ces plateaux pour commencer avec vous cette émission. Et demain, nous serons avec le pasteur Massamba. Ne manquez pas. Donc, et le samedi 13, c'est avec le frère Dépaul à la Briche. Et la semaine de la Pâque, ça sera avec Coco Bar. Donc, changement des calendriers. Donc, vous avez noté tous les rendez-vous. Ne manquez surtout pas. Et votre servante Nadine Efwanga est toujours là pour vous servir. Merci à vous tous. On vous a vu des hommes de Dieu, des éminents, serviteurs de Dieu, apôtres. Vous étiez tous là connectés de partout, de Londres, des États-Unis, du Canada, de l'Afrique, de partout. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On salue votre présence. Et vous qui allez suivre après, nous saluons aussi. Continuez à soutenir et n'oubliez surtout pas les rendez-vous de tout le mardi à partir de 22h. En tout cas, on s'est dit à bientôt. Shalom, 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 shalom.